Bonsoir, nous allons réaliser un dessert riz au lait pour 6 personnes. Préparation 15 minutes, cuisson 35 minutes. Voici les ingrédients. 800 g de lait demi-écrémé, 45 g de sucre cassonade, 2 gousses de vanille, 35 g de crème liquide, 80 g de riz rond pour dessert. Pour commencer, dans une casserole, portez à ébullition le lait et la crème liquide avec le sucre et la gousse de vanille préalablement fondue en deux et grattée. Voici le lait, le sucre, la crème liquide, les deux gousses de vanille fondues en deux et grattées. Et j'ai mis les gousses de vanille dedans. Laissez maintenant jusqu'à ébullition. Voici le lait, la préparation qui bout. Maintenant, retirez du feu et laissez infuser 15 minutes à découvert. Maintenant, laissez-le 15 minutes à découvert. Pendant ce temps, dans une autre casserole, mettre le riz. Mettre le riz et recouvrir d'eau. Le riz. À la hauteur. Voici le riz avec de l'eau à hauteur pour recouvrir le riz. Cette étape est pour le blanchissement du riz. Portez à ébullition tout en remuant, retirez du feu et égouttez le riz dans une passoire et le refroidir immédiatement en le mettant sous le robinet d'eau froide. Comme ceci. Remuez jusqu'à temps à ébullition. En tout remuant. C'est pour blanchir le riz. Voici le riz qui commence à bouillir. Laissez bouillir à grande ébullition, tout en remuant. Voilà, maintenant c'est fini. Arrêtez le feu. Prendre une passoire maintenant. Passer le riz à la passoire, comme ceci. Voilà. Maintenant, immédiatement, mettre de l'eau froide. Comme ceci. L'eau froide
comme ceci. Comme ceci. Le riz sera juste blanchi, il perd aussi une partie de son amidon et son goût farineux. Maintenant, passons à la cuisson du riz. Faire cuire le riz à feu doux dans le lait infusé en laissant la gousse de vanille pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce que le riz soit tendre. Sous la dent, chez moi j'ai eu j'ai besoin d'une heure. Dans la recette, la personne elle a eu besoin d'une heure. Attention, la préparation doit rester un peu liquide car le riz va continuer à absorber le lait. Laissez refroidir avec un film afin d'éviter la formation d'une croûte entreposée au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Maintenant, on passe à la cuisson du riz. Allez. Voilà, voici. Maintenant, passons à la cuisson du riz. Faire cuire le riz à feu doux dans le lait infusé en laissant la gousse de vanille pendant 15 à 20 minutes. Je vais prendre le riz, le mettre dedans. La casserole où il y avait le lait. Alors, on en a doucement. Hop là, j'en mets à côté. Voici le riz dans le lait. Maintenant, mettre le feu. Le feu à feu doux. Voilà, un feu doux à 3, j'ai mis moi, un feu doux. Pendant 15 à 20 minutes, jusqu'à ce que le riz soit tendre sous la dent. Attention, la préparation doit rester un peu liquide, car le riz va continuer à absorber le lait. Laissez refroidir avec un film, ça on verra après. Remuez de temps en temps. Je vais remuer au début là. Voici la préparation remuée. Laissez-le cuire 20 minutes, 15-20 minutes. En remuant de temps en temps. Voici le riz au lait cuit. Maintenant, la préparation doit rester un peu liquide comme il y a là, car le riz va continuer à absorber le lait. Laissez refroidir avec un film afin d'éviter la formation d'une croûte. Entreposez au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Voici le riz au lait filmé. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Une croûte, je veux dire. Maintenant, laissez-le refroidir et entreposer au réfrigérateur jusqu'à la dégustation. Voici le riz au lait fini. Bon appétit à tous.